Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau haul nose. Ça faisait longtemps hein, qu'on s'était pas vu pour un nouveau haul. Bah ouais, je traîne, mais ça vaut le coup parce que là du coup j'ai des trucs très sympas à vous présenter. Et à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, eh bien un tour des différents noses de ma région. Alors par quoi je vais commencer? Je vais commencer par par le rayon soins, beauté, avec ces deux masques de la marque Renew You au collagène, pro-âge, équilibre la peau en profondeur, vitamine B5, un masque en tissu de bambou et puis un autre masque crème. Moi j'aime bien les masques crème, j'aime bien les masques tissu, mais j'aime bien aussi les masques crème. Donc à 0,79 € pour le masque crème et puis à 0,99 € pour le masque tissu. Cruelty free, vegan, fabriqué avec amour au Royaume-Uni. Je connais pas du tout cette marque, si vous connaissez n'hésitez pas à me dire hein, si vous les avez testés. Moi j'ai hâte de tester ça. Il y avait tous les produits de cette gamme, du coup ça m'a donné vraiment envie de tester, de la marque Amore Puro. Amour pur, beauté et santé à l'huile d'olive extra vierge de Toscane à 1,49 €. C'est l'huile de beauté, la beauty oil, made in Italy. Une crème pour les mains, alors pareil, il y en avait plusieurs. Je vous avais montré lors d'un précédent haul celui à la rose, j'ai pris également celui à la lavande. C'est la crème pour les mains au lait d'anès bio enrichi au beurre de karité. Voilà, qui se présente comme ça. À 99 €, je ne peux pas l'ouvrir parce que il y a l'opercule. Label Provence Nature. En tout cas, l'adresse, c'est Marseille. Je continue au rayon des gourmandises avec les barres muesli, bananes et noix, donc flocons d'avoine sans gluten, farine d'avoine sans gluten, sirop d'agave, banane, noix, farine de maïs, graines de citrouille, huile de tournesol, du sucre, du fruit de baobab en poudre, des arômes naturels, épinards en poudre, brocoli en poudre, sel et extrait de romarin. Alors là, 1,25 €, les 4 barres, je crois, non, les 6 barres. 6 barres de céréales. Banana walnut, qui se présente comme ça. Ça a l'air bon, hein. Produit, ça vient d'Italie. Voilà, vegan, sans gluten et pauvre en sodium. Et là, un petit truc sympa à manger le matin. Spécialité de fruits ananas, kiwi, pomme. Voilà, c'est fabriqué en France. Voilà, 50 €. Sympa. À tester. Au rayon de la cuisine, j'ai trouvé un set de couteaux. Parce que je, voilà, des grands couteaux comme ça, je n'en ai pas. De la marque Meyerhof à 9,50 €, un kit de 6 pièces qui se présente comme ceci. Couteau chef, couteau universel, couteau pain, couteau à pizza, couteau office. Alors, on va regarder ça. Je vais vous l'ouvrir. Et voilà, ça se présente comme ça. Hop, voilà l'intérieur. Vous voyez, il y a tout le kit ici. Hop. Avec même le pizza. Bon, ça a l'air d'être bien. Hop, hop, hop. Et pour le prix, j'ai trouvé ça très, très raisonnable. Alors ce kit, je l'ai acheté à 9,50 €. Et quand j'ouvre la boîte, je ne sais pas si c'est le prix d'origine, mais il est marqué 169 €. Est-ce que c'est la valeur du kit d'origine? Je n'en ai aucune idée. Bon, en tout cas, c'est un très beau kit de couteau, je suis contente. En boisson, j'ai pris le Rooibos Iced Tea Watermelon et Mint. Donc, pastèque et menthe, j'ai trouvé ça super bon. Je vous mettrai la photo puisqu'il y avait plusieurs parfums. Voilà, pauvre en calories, vraiment, ouais.
Si j'en retrouve, j'en reprendrai. Produit en Allemagne. Voilà. Et le thé vient d'Afrique du Sud. Je passe maintenant au rayon bijoux, vêtements, chaussures, sacs. Allez, avec un petit sac adorable. Non mais regardez-moi ça, que j'ai eu à 1,99€. Non mais il n'est pas trop mignon. Il n'est pas trop mignon. Avec le bouton là en bois. Non mais j'ai trouvé ça adorable. Voilà, derrière, avec la petite fermeture éclair. Donc, soit vous pouvez le porter en pochette, ou alors, eh bien, il y a sa bandoulière. Voilà. Ah non, mais c'est trop mignon! Trop mignon, trop mignon. 1,99€. Franchement, si ça, c'est pas donné. Je continue avec une ceinture. Une ceinture style western. J'en cherchais une depuis longtemps. Eh bien là, je l'ai eu à 99 centimes chez Noz. Elle est jolie, hein? Avec cette jolie boucle dorée. Voilà, et derrière, c'est élastiqué, donc je trouve ça vachement pratique. Bon, franchement, 99 centimes. J'en voulais une et je la trouve très sympa. Très, très sympa. Je passe maintenant aux boucles d'oreilles. Regardez-moi ces jolies petites boucles d'oreilles sans nickel que j'ai eues à 75 centimes. Elles sont jolies hein, pour les fêtes, ces jolies boucles d'oreilles étoiles avec une jolie petite perle, 75 centimes. Et également une autre paire à 99 centimes au lieu de 9,95 €, qui était à l'origine à 9,95 €, et eh bien ce sont ces jolies boucles d'oreilles. Voilà. Couleur, alors elles sont vertes. Hein. Je sais pas, on a l'impression qu'on les voit bleues, mais elles sont vertes. Un vert foncé, très très joli. Voilà. 99 centimes. Je continue avec les vêtements. Alors j'ai trouvé des vêtements là qui étaient soldés. Des vêtements certainement de la collection de cet été, hein, que je ne porterai que le printemps prochain ou l'été prochain. Mais j'ai trouvé ça vraiment très joli. D'abord cette très jolie robe de la marque Yumi que j'ai eue à 13,99 €. Mince, je n'ai plus le prix d'origine, mais je sais que c'était... Je crois que c'était aux environs de 40 ou de 50 €. Et je la trouve vraiment très 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 jolie. Regardez-moi ça. C'est joli, hein, j'aime beaucoup la matière, le petit nœud devant. Voilà, la couleur bien sûr. Et puis la forme. La forme de cette robe, je la trouve vraiment très jolie. Avec un col V. En fait dans le dos. Ouais, très jolie celle-ci, j'ai hâte de la porter. Et puis alors j'ai craqué, mais alors pour une jupe que j'ai trouvée super originale, dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors là franchement, je l'ai trouvée adorable. Donc c'est Made in Italy, c'est de la marque Anna Morellini. Voilà. Regardez-moi comme elle est super originale. Donc avec l'élastique comme ça. Et la jupe comme ça. Qui arrive un peu juste en dessous du genou. Mais alors franchement, j'adore. Oh, j'adore la matière. Ça fait... on a l'impression que c'est effet soie. C'est vraiment très 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 joli. Hein. J'adore, j'ai craqué. J'ai craqué parce que j'ai trouvé super original. Celle-là avec un t-shirt blanc, voilà, hein, un petit t-shirt blanc et puis des petites compensées. Non, franchement, j'adore. J'adore, je la trouve super jolie. Et celle-ci, je l'ai eue à 9,99€. Voilà, Made in Italy. Donc, ouais, je l'ai trouvée super, super belle. Je continue. Alors là, j'ai acheté pour ma fille et moi le même pyjama, un pyjama
doudou. Vous savez, le pyjama, là, où on aime bien être dedans, là, en style pilou-pilou l'hiver, hein, à 3,99€. Regardez-moi ça. Donc j'en ai acheté un pour moi et un pour ma fille, un petit nœud rose. Voilà, il est rose, avec des cœurs et des étoiles gris et noir. On va être trop bien, trop bien, trop bien dedans. 3,99€. Et alors, j'ai craqué pour une paire de chaussures que j'ai... Je vous avais mis la photo pour ceux qui me suivent sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, ben je vous invite à me rejoindre. Hein, je vous mets le lien ici. Et vous avez été plusieurs à me dire que c'était en fait très inspiré, parce qu'effectivement je n'avais pas fait le lien. Je voyais que ces chaussures me rappelaient quelque chose, mais je n'ai pas fait le lien avec la marque. Et vous m'aviez dit que c'était très inspiré des Dior. Regardez-moi ça, comme elles sont trop jolies. Magnifiques. Comme mentionné sur la chaussure. Voilà. Donc avec le talon, comme ça. Hop, la boucle. Vous voyez? Non, franchement, trop mignonne. Hein, trop, trop mignonne. Hein, trop mignonne. Et le prix, on en parle? Ou pas? 4,99€. Non, mais franchement, elles sont trop jolies. Trop joli, trop joli. Voilà, donc ça c'est encore une bonne trouvaille nose. Voilà pour mes achats nose. Je suis allée faire un petit tour chez Action. Du coup, je vais vous montrer rapidement les 2-3 bricoles que j'ai achetées. J'ai acheté deux très jolis petits coussins. Voilà, donc celui-là, aspect velours noir avec les roses et puis quelques couleurs. Quelques couleurs vert, bleu, et puis un autre petit coussin, voilà, pareil, en velours, couleur jaune doré, et puis ces très jolies fleurs. Ces deux coussins iront très bien sur mon, vous savez, mon joli fauteuil vert olive que j'avais récupéré chez Emmaüs, et que je vous avais présenté lors d'un précédent haul retour Emmaüs. Donc ça, ça ira très bien dessus. J'ai également pris 4 assiettes. Alors, j'adore, comme je vous le disais, les assiettes dépareillées. Et puis, dorénavant, je n'achète plus d'assiettes dans le commerce. Mais j'avoue que celles-ci, je n'en trouve pas. Donc, quand je les ai vues, je les ai prises. Ce sont des grandes assiettes creuses pour les pâtes. Du coup, j'en ai pris 4. Et elles se présentent comme ça. Je les trouve trop jolies. Trop jolies ces assiettes. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors franchement, là, voyez, bien creuse. Non, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis, un petit gel douche sympa. Petit clin d'œil à Halloween. Eh bien, c'est le gel douche Pumpkin Shower Gel. Donc, le gel douche à la citrouille. Voilà. Alors, déjà... Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. C'est acidulé. Ouais, ça sent bon. Mais parfois, entre l'odeur, vraiment, et puis une fois que vous lavez avec, ça peut être différent. Mais ouais, ça sent bon. 500 ml. La couleur m'a attirée. Le motif aussi, je trouvais original. Bon, voilà. Vraiment pour le fun. De toute façon, j'adore les gels doux. J'en ai 150 000. Mais c'est pas grave. On n'en a jamais de trop. Jamais de trop. Voilà pour ce haul nose, je vais vous laisser avec un petit tour des noses de ma région. Pour ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, déjà je vous remercie. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez me noter? Eh bien, est-ce que vous pourriez me noter ou me mettre un papillon? Comme ça, je saurai que vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite. Alors, pour d'autres hauls, hein, haul retour Emmaüs. Oh là là, haul retour Croix-Rouge. Et je vous propose également de vous publier demain, dimanche, une story time paranormale. Ah oui, moi je suis fan de paranormal. Il m'est arrivé des trucs ouais, assez étonnants, à ma famille aussi, à mes amis. Donc ouais, une story time, ça peut être sympa. Puisque c'est bientôt Halloween.
Bon, mais d'ici là, comme d'habitude, moi je vous dis portez-vous bien et ne vous laissez pas tomber. À très bientôt. Salut.